Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux personnes qui me découvrent et coucou à mes abonnés. Voilà. Alors, je continue les guidances pour la semaine du 7 au 13 juin, d'accord? Nous sommes déjà lundi, hein, j'ai pas eu le temps ce week-end de faire tous les signes, j'en suis désolée. Donc, je les termine aujourd'hui. C'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, ça vous avez l'habitude. Vous n'hésitez surtout pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe lunaire, ok? Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et puis on attaque, hein? Je vais commencer avec l'oracle des énergies pour voir un peu les énergies qui vont vous dominer, durant cette semaine et les jours qui suivent. Je fais la guidance avec le Béline et puis je prends un complément d'information avec l'oracle des miroirs et je termine avec un petit message conseil des fées. Ok? Allez, c'est parti. Pour nos amis, je sais plus où j'en suis moi. Il y a tellement de signes. Lion. Et après, il m'en reste plus que. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Allez, on y va. Pour nos amis lions, hop, les lions, on a vraiment sauté pour cette semaine du 7. 13 juin. Waouh, waouh, waouh. Ça promet. Lion, s'il vous plaît. Merci, merci. Hop. Allez, encore une. Oh. Alors, c'est des cartes, elles sont magnifiques, mais elles sont très grandes et assez imposantes. Waouh! Alors là, déjà, rien qu'à voir les deux cartes que. Les amis, il y a beaucoup de communication, il y a de la clarté, il y a beaucoup de communication ici. Ok? Alors, elles sont juste magnifiques. Alors, ici, nous avons possibilité adjacente, d'accord, qui est sortie à l'envers. Cette carte, elle demande à ce que vous avez soif en fait de découverte, voyez, mais trop à mon goût, parce que à l'endroit, cette carte, elle désigne en fait d'aller toujours dans la même direction, de toujours ouvrir la même porte. Et avec cette carte, on vous dit d'ouvrir un peu toutes les portes, de pas hésiter à taper à d'autres portes, vous voyez. Mais cette carte à l'envers, en fait, c'est là on vous dit essayez de vous recentrer sur de pas vous éparpiller. Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux, vous voyez. Non, centrez-vous, réfléchissez, faites les choses posément. Voilà, vous voyez ce que donc. Mais toujours est-il que vous avez en carte centrale, vous avez une carte magnifique. Le soleil. Le soleil, c'est c'est tout ce qui vous réussit, quoi. La réussite dans tous les domaines. Mais vraiment dans tous les domaines. La réussite, la pureté, voyez cette légèreté. Vous êtes ça vous rayonnez. Voilà, vous rayonnez, c'est le cas de dire. C'est magnifique, il y a tous les éléments qui vous accompagnent ici. Hein. Il y a l'eau, regarde, les animaux. Moi, ouais, c'est magnifique, regardez-moi ça, vous êtes vraiment... c'est lumineux, vous êtes une lumière à vous tout seul. Pourquoi? Parce que regardez ici, cette carte de l'action. Votre âme, c'est le cheval blanc. Votre âme, ça y est guérie. Votre âme sait où elle va. Ça, c'est l'extérieur, ce qui vous entoure. D'accord? Et c'est pas encore équilibré. Donc en fait, ici, on vous dit de suivre votre âme, de suivre votre intuition, de suivre ce que cette petite voix-là que vous entendez quelquefois. Mais il faut vraiment vous rééquilibrer au niveau de tout ce qui vous entoure. Encore une fois, ça rejoint ceci, de ne pas vous éparpiller. Ne vous éparpillez pas, c'est peut-être pas ce que veut votre âme. Votre âme, c'est où elle va. D'accord?
Donc, rester bien ancré, les pieds sur terre, en gros, ça veut dire un peu ça. D'accord? Même si vous êtes quelqu'un de très ambitieux, parce que je ressens vraiment ça. Une ambition, mais alors, voilà, vous. Mais là, on vous dit de ne pas vous éparpiller, d'être, voilà, de rester réfléchi, de savoir taper à quel. De savoir à quelle porte taper, de d'être posé, vous comprenez? Donc voilà, tranquille, tranquille. C'est très beau, votre tirage est très très beau. Allez, hop, on y va pour vous les lions, s'il vous plaît. Avec le bélier, on va voir un peu. Ça, ce sont les énergies qui vous accompagnent. Donc, très très belles énergies, vous êtes très lumineux, votre ami. Comme si vous avez fait un travail sur vous-même, votre âme est guérie, mais par contre, au niveau, vous voyez, j'ai encore la carte, le feu, c'est intérieurement, je ne vais pas dire que vous êtes en conflit avec vous-même, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous voulez tout et n'importe quoi. Vous voyez, je ne sais pas comment l'expliquer, mais vous devez comprendre ce que je veux dire. Mais voilà, c'est comme si, voilà, vous aviez envie de Alors, pour certains, peut-être que vous avez envie de faire plein de choses, mais c'est brouillon, donc on vous demande de pas être brouillon, d'être ouf, posez-vous, d'accord? Réfléchissez, tapez aux bonnes portes, lisez bien entre les lignes si vous avez des contrats, voilà, ce genre de choses, restez les pieds sur terre, restez ouf, ne soyez pas émerveillés par des choses. Futile. D'accord? Votre âme sait où elle va. D'accord? Voilà. Donc écoutez là. Alors, la méchanceté, la table, le cloître, voilà, vous voyez, j'ai encore des cartes. La méchanceté, c'est vous, hein, pour moi. Alors, c'est vos ressentis. Vous voyez, j'ai encore ça émotionnellement pour moi, il y a quelque chose. Vous êtes le feu à vous tout seul. Et la méchanceté, en fait, vous vous faites du mal. Hein. C'est vous qui vous faites du mal. OK? Mais il y a un nouveau départ ici. Voilà. Il y a quelque chose. Vous renaissez. Il y a le bateau, il y a peut-être un voyage, une mutation, il y a quelque chose, il y a des discussions. Il y a quelque chose qui s'arrête pour certains ici, pour recommencer ailleurs. Il y a un voyage ici, un déplacement. On vous dit aussi avec ce bateau de garder le cap, d'accord, suivre vos ressentis. Mais il y a toujours été que vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous terminez un cycle. Il y a des discussions. Vous allez recevoir pour certains de la reconnaissance. D'accord? C'est magnifique. C'est très beau. La méchanceté, ça peut être aussi au niveau professionnel. Alors, ça, je ne le dis pas toujours, mais c'est vrai que ça peut être aussi, mais comme j'ai eu la carte des présents, ça peut être aussi, ça peut concerner aussi, la méchanceté, c'est tout ce qui a un lien avec le militaire, l'armée, la police, vous voyez, ce genre de décor de métier, comme ça. Ok, donc voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. Vous avez pour laisser un beau tirage. Énergétiquement parlant, voilà. Allez, on y va. Pour mes amis lions. Alors, les lions. Voilà. Alors ici, hein, vous voyez? Alors, ça peut être un procès, ça peut être des papiers administratifs ici. Il y a des nouvelles concernant. Waouh, c'est magnifique. Ici, vous avez la grâce, il y a l'intelligence, les nouvelles et le procès. Pour moi, il y a quelque chose d'administratif ici. Vous allez recevoir quelque chose au niveau administratif ici. D'accord? Des papiers. Il y a des papiers qui vont être signés. Vous avez la protection. OK? La réussite. Le hasard. La paix, les présents et l'amitié. Quel tirage! Mon Dieu, quel tirage!
Encore une fois, ça rejoint aussi tout ce qui est en lien avec la justice, avec tout ce qui est strict, la justice, le militaire, police, enfin bon. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être de votre hiérarchie. Voilà, toujours est-il qu'il y a des nouvelles qui arrivent concernant ou des papiers administratifs ou quelque chose lié avec la justice. Voilà. Ça vous amène la paix. Et il y a quelque chose, comme je vous dis, c'est quelque chose à laquelle vous ne vous y attendez pas. Vous allez être couronné, évidemment. Il y a la réussite. Vous allez peut-être. Alors, si vous êtes militaire, vous allez peut-être recevoir une médaille, d'accord? Parce que j'ai la médaille ici. La réussite, c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendez absolument pas. Vous allez être en paix avec vous-même. Vous voyez, j'ai encore ici cette notion de présent. Vous voyez, j'ai les médailles. Donc, il y a quelque chose, vous allez être couronné. Hein. Oui. Alors, peut-être, pensez à amitié. Alors, peut-être que c'est des amis, enfin, grâce à des amis. Ou alors, vous savez, les corps de métier, comme la police, les militaires, c'est un groupe, c'est une famille, d'accord? Voilà. Donc, pour moi, ça, ouais, vous allez vraiment vers quelque chose de. Ouh, les amis de Lyon, que c'est beau. J'ai même pas envie de couvrir, en fait. J'ai pas envie de couvrir. Je couvre pas parce que c'est trop beau, les énergies qui vous accompagnent ici, c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, les lions. Lion, lion, lion. Il y a quelque chose que vous allez recevoir, mes amis. Alors, ça peut être une augmentation, évidemment. Mais j'ai vraiment ce ressenti de quelque chose qui a un lien avec tout ce qui est justice, droiture. Vous voyez? Droiture. Allez, pour mes amis du Lion. À la coupe, le temps et la tranquillité. Bien voyons. Alors, le temps, avec le temps, peut-être qu'il y a eu une coupure qui a duré un certain temps. Alors attendez, j'essaie de voir un peu. Il y a la loi, il y a la victoire, il y a l'équilibre. Il y a vraiment quelque chose qui est revenu ici. Il y a la loi, ok, et la victoire. Je pense que certaines personnes ont été obligées de couper pendant un certain temps. Alors soit avec votre conjointe ou conjointe, pardon. Soit avec des amis, soit avec la famille, mais vous voyez, mais là, vous avez suivi votre intuition en fait, ok? Et du coup, vous avez retrouvé un équilibre et qui vous a mené à la victoire, hein, bien entendu, qui vous mène à la victoire, c'est trop beau. Et la tranquillité, en plus, vous attirez à vous tout ce que vous désirez avec le miroir magnétique, d'accord? Et vous avez des amis fidèles sur qui vous pouvez compter, mes amis. Bon, ça c'est la coupe, c'est très beau. Déjà, c'est vraiment magnifique. Allez, les lions, pour mes amis lions, s'il vous plaît. Bon, vous me direz en commentaire, hein, mais je vois vraiment quelque chose. Vous savez, on reçoit des récompenses, quoi. Des prix. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes lions? Est-ce que le petit oracle des miroirs va pouvoir nous en dire plus? Les lions, s'il vous plaît. Vous rentrez, vous êtes en paire de chance ici. La chance vous accompagne. Vous êtes protégé. Il y a l'amour aussi. Hein, donc, ça peut être l'amour. L'amour. Ah ouais, il y a une femme. Ouais. Alors ça peut être l'amour, le couple, d'accord?
De toute façon, votre couple est protégé, vous êtes rentré en plus en période de chance. Ça peut être au niveau, comment dire, personnel. C'est-à-dire que la femme et l'amour, c'est votre sensibilité. D'accord? Vous êtes très sensible, vous êtes une personne très sensible. En tout cas, vous êtes protégé. C'est très beau. Voilà, réussite, le temps. Vous voyez, l'argent. C'est magnifique. La loi. L'équilibre, donc ouais, l'hérédité et l'échec. Voilà. Alors, ici, il faut pas voir l'échec comme quelque chose de négatif dans ce jeu, mais alors pas du tout. Je pense qu'ici, il y a quelque chose, en fait, vous êtes vraiment ancré. Il y a quelque chose qui est ancré en vous, d'accord, qui va. Du coup. Vous allez, avec cette reconnaissance que vous allez recevoir, hein, ça va vous permettre de vous ancrer et du coup d'évoluer. D'évoluer. Encore une fois, l'amitié ici, c'est pour moi, c'est quelque chose. Vous êtes un groupe, enfin, c'est un groupe, parmi un groupe. OK? Et en fait, ça vous permet de. C'est pas que vous vous relevez d'un échec, c'est pas ça. Pour moi, c'est. Vous êtes peut-être pour certaines personnes partie perdante, peu importe le domaine. Mais en fait, non, vous êtes donné un fond et du coup, vous avez réussi. Et c'est juste une sensation d'échec. C'est quelque chose qui va vous. Comment dire ça? Qui intérieurement va vous faire un bien fou, quoi. D'accord? Voilà. C'est comme si ça allait vous prouver qui vous êtes vraiment. D'accord? Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous étiez constamment en train de douter de vous pour moi. Vous voyez, quand je vous dis que l'âme, votre âme sait où elle va, il faut juste faire l'honnêteté, faire équilibrer ce qui vous entoure. Parce que vous êtes trop, peut-être par rapport au regard des autres aussi. Donc vis-à-vis du regard des autres, vous avez pris confiance en vous et du coup, vous étiez peut-être toujours mis en échec par rapport à ce qu'on vous disait autour de vous. Mais en fait, non, là, c'est comme si vous vous releviez, vous avez pu prouver en fait que votre valeur, voilà, c'est ce que je cherchais. En tout cas, il y a la paix, il y a un bel équilibre ici. Hein. Il y a juste le jugement, hein, il y a un bel équilibre ici qui est retrouvé. Hein. Vous êtes serein, mes amis. Hein. Vous remarquez avec la carte du soleil, là, il y a un gain d'argent, la roue tourne, il y a de l'argent inattendu qui arrive ici. Et en tout cas, la réussite et le temps, c'est proche. Il y a quelque chose qui a mis du temps, d'accord? Peut-être cette reconnaissance que vous attendiez a mis du temps. En tout cas, c'est de très belles cartes. Hein. Vous avez vraiment un beau tirage, magnifique. Hein. Magnifique. Il y a peut-être pour d'autres personnes. Une attente juridique, et là c'est pareil, ça a mis du temps, mais il y a une rentrée d'argent aussi pour vous, à laquelle vous ne vous attendez absolument pas. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, déjà c'est un tirage qui est très très clair, qui est très très beau, il est très équilibré, il est magnifique, magnifique. Allez, je termine avec, vous voyez, j'ai la loi ici, mais je l'ai aussi dans le dos de deck, d'accord? Et vous allez avoir des nouvelles. Quand je vous dis que vous allez avoir, excusez-moi, vous allez avoir des nouvelles concernant ceci. Bon, vous prenez ce qui résonne en vous, mais tout cas, il y a des nouvelles signatures. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous redonner cet équilibre-là. Hein. D'accord? Allez, on y va avec un petit conseil de nos fées. Alors, les lions, si vous voulez, un petit message pour nos amis lions. Oups. Un petit message pour nos amis lions. Eh bien, dis donc. Encore une. S'il vous plaît, un petit message pour nos lions. Est-ce qu'il y en a un autre? Y a-t-il un autre message pour les lions? Ben non, il n'y a pas d'autre message pour les lions.
Alors, nous avons, voyez, alors, nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Pour moi, comme je vous l'ai dit, tout à l'heure, il m'est sorti le départ, la campagne, tout ça. Pour moi, je pense qu'il y a des personnes qui vont changer de région, déménager, changer de région. Et c'est quelque chose que vous voulez et vous allez dans la bonne direction, bien entendu. Mais ça va vous permettre de vous... De, comment dire ça? De vous ouvrir dans un lieu que vous, où personne ne vous connaît. Vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez personne et personne ne vous connaît. Donc, du coup, pour vous, c'est un nouveau départ. C'est comme si vous recommenciez quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut être dans une autre région, un autre département, un pays. Voilà, vous vous adaptez. Mais toujours est-il que, voilà, il y a un nouveau domicile. Et voilà, quand je vous dis qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui arrive à vous. Regardez-moi ça. Au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Ok. Alors peu importe, si vous avez passé des épreuves durant cette période, d'accord? On arrive toujours, hein? Vous allez, ben, ces épreuves sont terminées et vous allez vraiment faire quelque chose de neuf, de nouveau. Je vous dis, hein, je l'ai vu, il y a le soleil ici, il y a quelque chose de nouveau. Il y a... Voilà, vous allez pouvoir... C'est comme si vous étiez libre, en fait. Vous êtes libéré. Et n'oubliez pas que vous avez la protection et la chance ici, hein, avec vous. Waouh, les lions, c'est magnifique. Alors, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, s'il vous plaît, concernant ce tirage, si ça vous parle. Je ne réponds pas à tous les commentaires, bien entendu, mais enfin, pour voir, je les lis. Donc, pour montrer que je les ai lus, je vous mets un petit cœur ou je clique sur le petit pouce. Sinon, bah, écoutez, comme d'habitude, hein, likez, partagez, abonnez-vous. N'oubliez pas que je fais les guidances personnalisées en visio, donc sur Messenger, si vous avez Facebook ou WhatsApp. N'oubliez pas, bah, regardez sous la vidéo, il y aura les liens de toute façon pour me contacter. Et puis moi, je vous dis, bah, écoutez, à très, très vite, mes amis lions, mais là, vous allez vers quelque chose de magnifique. Magnifique. Allez, je vous fais de gros, gros, gros bisous, les amis.